Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. aime la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Au passage, Seigneur, je voudrais te rendre gloire, parce que tu nous encourages encore, tu nous entraînes, Seigneur. À nous tourner, à nous focaliser vers les choses, certes, qui sont invisibles, mais qui sont intérieures, qui sont spirituelles, invisibles, mais qui sont aussi éternelles. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la n'y passe point, détourne-temps et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, le méchant y trouve de la jouissance, du réconfort à faire le mal. Que jamais cela nous arrive, Seigneur. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. C'est vrai, on voit que, Seigneur Jésus, tu as tellement insisté sur le fait de veiller sur son cœur, car il est la base et la source de tout ce qui vient ensuite. Alors je te prie donc, Seigneur, que nos cœurs demeurent fermes en toi, et soient remplis de ta parole et de ton Esprit Saint. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Amen. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Amen.